Je crois que c'était avec mon frère quand il m'a emmené voir, il était une fois dans l'Ouest. J'ai des souvenirs des premiers blockbusters aussi en famille, des Indiana Jones. J'ai les souvenirs des premiers rendez-vous amoureux au cinéma devant La Bamba, par exemple. C'est un film que je me fais tous les, je sais pas, 5 ans, c'est Un poisson nommé Wanda, pour le personnage de Kevin Kline, pour le charme de Jamie Curtis, pour le menton de John Cleese. C'est un film qui me rend heureux parce que je vois des gens qui s'amusent. En fait, c'est le meilleur des compliments qu'on puisse faire à un film, c'est qu'est-ce que vous avez dû vous amuser? On sent beaucoup d'amusement, donc forcément, ça m'éclaire. Je me demande si c'est pas un dessin animé. Un espèce de ratatouille, quoi. Un espèce de pari comme ça. Un pari de ratatouille, là. Avec des rues qui montent comme ça en pavé, avec des cheminées qui fument. J'ai envie de dormir dans ces petites maisons là. J'ai l'impression que c'est confort. J'ai pas vu Babylone, je voulais le voir. Moi, je reviens souvent sur Ben-Hur parce que j'ai envie de me le refaire sur grand écran. Je tanne Claude Lelouch, je lui dis, je veux voir sur dans ta salle là-bas au Club 13, je veux me refaire Ben-Hur. Version longue, version bien. Ouais. Un espèce de truc, un péplum en fait. Je trouve ça fou que ça existait, les péplums. Je trouve ça fou de voir autant de figurants. Je trouve ça. On s'arrangeait avec des effets spéciaux, mais c'était quand même de l'esclavage, quoi. C'est quand même un truc fou.